Suzuki Jimny. Il va falloir se battre pour en avoir un. Vous pouvez pas aller chez Suzuki et donner l'argent et en avoir un. Il y a un an d'attente. Et ça vaut plus cher d'occasion que ça vaut neuf. On va vous donner un truc de connaisseur. Suivez-moi à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, c'est un 4x4 qui est très rustique, mais qui est ultra fonctionnel. Tout est là, il n'y a pas de chichi. Et en fait, il y a une petite astuce. Souvent, quand vous faites du 4x4, il y a un truc qui est un peu embêtant, c'est l'ESP. Et vous voulez souvent déconnecter l'ESP. Sur ce modèle-là, vous pouvez déconnecter l'ESP que jusqu'à 30 km/h. Vous trouverez des tutos sur YouTube où, en fait, avec un trombone, vous déconnectez l'ESP là. Et avec une petite manipulation, vous pouvez aller même au-delà de l'ESP de 30 km/h et déconnecter complètement l'ESP. C'est pas recommandé par le constructeur, c'est pas ce qu'on vous encourage de le faire, mais si vous faites vraiment un usage 4x4, bah c'est parfois intéressant de le faire et vous trouvez pas mal de tutos sur YouTube.